Le grand récit de Clancy. Rassemblez-vous, canailles, et frémissez en entendant comment le vaisseau de la malédiction a recruté son équipage. Allons, approchez-vous. Voici Clancy, né pour être pirate. Il avait déjà le sens de l'aventure alors qu'il tenait à peine sur ses jambes. Clancy adorait aller à l'école, et il ne manquait certainement pas de créativité. Même si ses façons de faire assez originales n'étaient pas toujours... appréciées. Mais quand on est un pirate jusqu'au fond de l'être, il faut vivre la vie d'un pirate, coûte que coûte. Aucun obstacle n'est trop grand, aucune montagne trop haute, aucune mer trop profonde. Et Clancy s'entraînait avec plus de courage et d'obstination qu'aucun pirate au monde. Sans relâche. Il grandit et devint un jeune et beau reptile plein de rêves et d'espoir. Pousse-toi, tête de serpent. Laisse passer quelqu'un qui va faire une vraie traversée de pirates sur le seul et unique vaisseau de la malédiction. Oh, il en a de la chance. Excusez-moi, vous croyez qu'il y aurait de la place pour deux? J'ai acheté le dernier billet. Alors dégage, espèce de rampant. Et parfois, quand on en a le plus besoin, le destin peut vous donner un petit coup de pouce. Dis donc, le reptile, tu vas arrêter de patauger, oui? Allez, monte à bord! Vous voyez, Clancy n'aurait jamais été engagé sur un bateau pirate. Mais voici Pirate Clancy au rapport, monsieur! Bienvenue à bord! À moins de tomber dedans. Quand le monde est sans dessus-dessous et qu'on n'arrête pas de tomber, tout ce qu'il reste à faire, c'est se dresser sur ses pattes arrière et attendre le bon moment. Et c'est exactement ce que Clancy a fait. Clancy, à jamais pirate et à jamais membre du fier équipage du vaisseau de la malédiction.